What's up, gentlemen? J'espère que vous êtes tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo compagnie à toute personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On se retrouve sur Skill PVP comme d'habitude, les amis. Je suis à fond sur Skill PVP en ce moment. Et comme vous le savez, j'ai crafté le cœur. J'ai dépensé beaucoup de space en faisant ça. Et aujourd'hui, je me suis dit mission obtenir du space. Donc, je viens de tout juste de faire un échange avec quelqu'un. Donc, j'ai échangé ma fight axe contre 3 PB. Donc, voilà. Et j'ai déjà 4 space et 2 mété. Et donc, je crois que je vais essayer de crafter le casque en space, je crois. Donc ça nous prend un de ça, deux de ça et un de ça maintenant, vu que le craft de space, je sais pas si vous saviez, mais il a changé, mais vous pouvez quand même l'obtenir maintenant dans les reines de mort. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez obtenir un space complet dans les reines de mort. Donc voilà, on va juste créer ça et voilà, comme ça on aura qu'est-ce qu'il veut créer avec moi, Warrior Peace, c'est pas un youtuber ça, Warrior Peace. C'est quoi qui veut trade avec moi? Tiens, je vais lui donner un joint. Oh, ok. Je vais lui donner un joint. Ok. Ok. J'espère que tu meurs du cancer. On va faire perdre mon temps comme ça. Donc, on va crafter un casque en space. Ce sera notre première pièce de fait. Donc, voilà. Oh, ils ont changé. Ils ont mis les effets que ça donnait maintenant. Donc, c'est plutôt cool. Ça nous fait un casque en space. Je vais mettre juste ici le casque en space. Et voilà, les amis. Il nous manque encore 4 space. Et puis, le truc sera bon. Gros, qu'est-ce qu'il veut, mec? Qu'est-ce qu'il veut, mec? Ok, c'est bon, on casse les couilles, là, les gens comme lui. Donc, quoi, j'ai 4 points boutique, vu que j'ai changé ma fight axe en space contre ma fight axe en space contre 4 PB. Donc, 3 PB, excuse-moi, et j'avais déjà un PB, donc, voilà. Je vais essayer de d'échanger contre 4 space, essayer de crafter les bots. Je vous reprends dès que j'ai trouvé des acheteurs. Ok, je savais pas que des youtubeurs, ça pouvait être aussi cancer, regardez ça. Ok. Putain, merde. Dans quel monde on vit? Je vais faire un échange avec Léo quelque chose. Ok, il prend un screen avec moi, lui. Léo, il s'appelle Léo59510. Normalement, c'est 2 space contre 2 points boutique, mais je le trouve pas. Donc, je vais voir. Il est peut-être ici, Léo. Il veut me faire un don. MCKiller09, jeune homme. Je te donne un joint. Va fumer un bon petit joint, sa mère, mon pote. Ça va te faire du bien. Ok. Bon, ben, on fait un échange de joints, pourquoi pas. Non, mais en fait, désolé. Oh, putain, j'ai perdu mon temps, quoi. Bravo! C'est bon, finalement, les amis, il m'a pas fait perdre mon temps. 2 PB contre 2 space. Et normalement... Ouais. Oh, ouf! J'ai pensé que je m'étais fait arnaquer, les gars. Oh là 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 là. Dans mon cœur, j'ai paniqué, les amis. Oh là 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 là. Et voilà, un échange avec Razox pour avoir un autre space. Je dois aller manger, je reviens après. Ok, lui, je devais faire un échange avec lui. Mais bon, merci à toi, mon ami Razox. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver un seul acheteur de space. Ou en plus, un vendeur de space plutôt. Et c'est bon, on a les bottes et le casque, les amis. C'est parti! Oh my god, les gars, je viens de voter. Et regardez ce que j'ai gagné. 3000 fucking piastres. Ça veut dire qu'on est à un total de 6450. Et là, il y a déjà quelqu'un qui a un plastron en space. Damn, ça rigole plus. Donc là, on va pouvoir, selon mes calculs mathématiques, nous allons pouvoir acheter 4 pépites de space, ok? Donc, pépites. Donc, c'est cher à 1000$, mais bon, j'ai pas le choix. Pépites. Hey, wake up. Fuck, ça fait cher, oh. Ça fait cher, pépites. Il n'y en a plus de space. Il y en a-t-il encore de space? Non, il n'y en a plus de space. Donc, je vais acheter une pépite comme ça. Pépite, 2 comme ça. Ok, voilà les amis. Donc on est plutôt chanceux, mais on continue. Let's go. Okay, j'ai acheté une autre pépite à 1000. Là j'essaie d'avoir 2 pépites à mété contre lui. Non. Lucas, c'est quoi? C'est Lucas quelque chose là? Lucas quoi? 67. Non, 1000. HDV, j'espère qu'il va les mettre. C'est quoi ça? Là il y en a 2 autres ici, mais putain, 1100 quoi, c'est cher. Oh, 700, nice. Ok, c'est bon, nickel. On a un space en plus. Ça fait super, ça fait 6. Il va nous en manquer encore un autre. Nickel. Je vais essayer de voir si l'autre il veut mettre ses pépites. Il y a un autre pépite ici, mais j'ai la flemme de l'acheter. Parce que là, j'ai plus vraiment besoin de pépites en fait. J'ai juste besoin des pépites en mété. Parce que en fait, j'en ai 10. Mais ça m'en prend 3 autres en fait. Ça m'en prend 3 autres. Moi, j'ai une pépite. Pépite de métier, il y en a une ici, je vais la prendre. Voilà, c'est un bon marché. Et j'espère que le gars va les mettre à 1000. Il a dit quoi? Je ne les vends pas alors, j'attends d'avoir une métier. Ok,
Ben, vends-les pas alors. Pépite. Voilà. Un autre. Ouais. Vous n'avez pas assez d'argent pour cet item? Quoi? Non! Merde alors. Merde. J'ai 9, ça fait ça. Je vais crafter une unité. Il va manquer deux pépites pour crafter un autre space. Et on aura enfin, je dis bien enfin, les jambières ou le plastron. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais on y est presque, les amis. Ok, j'ai encore vendu quelques petits items, les amis. Et j'ai aussi reçu une pépite dans des reines de mort. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé des reines de mort. J'ai reçu des pépites. J'ai reçu aussi ça ici, les minerais. Mais j'ai reçu une pépite en métier. Donc là, il me manque seulement. Oh, il y a un coffre caché. Il manque seulement une pépite de métier. Donc on va faire HDV. Deux pépites pour 1400. C'est quoi? Je vais les prendre. C'était l'autre gars d'avant qui les voulait. Donc ça fait 4. Voilà. Un titan en plus. Ça nous prend ça et ça. On va faire ça. Voilà. Ensuite, on va aller prendre les points. Oups, désolé. Voilà. Et ça va nous faire un septième space, les amis. Ça va être plutôt cool. Je suis content vraiment parce que on a bien avancé aujourd'hui. Même s'il y a des séquences que vous avez vues en live, on a quand même vachement bien avancé. Ça fait toujours plaisir quand c'est comme ça. Donc, un septième space. Et là, on va crafter ce qu'on appelle le. C'est bon, je suis déçu. Je vais où maintenant? Attends, un instant, jeune homme. Le pantalon en space. C'est réussi. Let's go. Il nous reste plus que le plastron. Et on est, le tour est joué. J'ai aussi acheté 6 pièces de spawner pour faire un spawner à squeletton. Je vais vous montrer pourquoi, mes amis. Vous allez voir très bientôt pourquoi. Mais dites-vous que c'est plutôt intéressant. Bon, on va aller déposer tout ce qu'on a ici maintenant. Il y a un coffre caché aussi. Je vais essayer peut-être d'y aller. Je vais demander à mes copains s'ils vont. Donc, on va aller dans le cœur. On va voir. Il n'y a aucun point à récupérer parce que, bien entendu, il y a toujours quelqu'un qui les récupère avant moi. On est rendu avec combien de points? La 5ème faction, on est rendu à 3000 et le classement ça a l'air de quoi? Nos fakes nous ont dépassé. Nous on a dépassé de fou la communauté. Je crois qu'on a. Ouais, on a quand même vachement de points d'avance sur eux maintenant. Mais là, faut vraiment rattraper la no fake. Donc la no fake, eux, ils ont. Ouais, ils ont beaucoup de points. Mais ils ont aussi énormément de PvP players, je crois, dans leur faction, si je me trompe pas. Non, ils sont pas morts tant que ça en fait. Ouais, ils sont pas si morts que ça. Donc ça va être un peu difficile. Mais bon. On verra qu'est-ce qui arrivera, les amis. Je vous en dis pas plus. C'est Icons. Je vous aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour compléter ce full space. Ciao, ciao!